Ok. Ok, ça va mieux? C'est bon? C'est nickel chrome, tout fonctionne? Reline? Ça fonctionne même quand je recommence à jouer? Ça a l'air. Ok, c'est bon. Ok, nickel, bien joué. Bien joué, beau travail. Merde. Merci. Ok, soin. Non, ça hey, va. Je t'ai fait un dessin. Ah ouais? Tu m'as fait un dessin. Tu m'as fait un dessin, tu l'as posté quelque part? Allez hop, on déverrouille le tunnel. Je viens de le poster. Bon, attends, je vais aller check ça après. On va juste voir si la Juliana elle est morte quelque part. Où est-ce qu'elle est morte? Est-ce qu'elle est morte de ce côté-là ou pas? J'ai rien qu'elle soit morte dans le coin quand même. Qu'elle puisse me laisser son loot. Où est-ce qu'elle serait tombée? Où est-ce qu'elle serait dead? Moi je pense qu'on le, je le verrai si jamais. Bon, attends, je vais aller check les jolis dessins. Où est-ce que je pourrais aller voir ça? Alors. Attends, je peux plus voir tes messages, Lynn. Je suis en train de check ce que tu m'as mis. Les jolis dessins. Ah ouais! Ah ouais! Petit costard, la cravate, là? Aïe, aïe, aïe! Sur mon 31. Posé, nickel. Hein. Trop la classe. Hein. Avec du Deathloop, là, full infiltration, là. Je suis en mode espion sur ton dessin. Bon attends, on va continuer à aller explorer parce que du coup, est-ce que du coup, vu que ça n'a pas explosé, est-ce que du coup, on peut quand même aller à la destination suivante? Toujours plus beau, ah oui, de ouf. Clairement. Clairement, clairement. Est-ce qu'on peut du coup aller à la deuxième destination ou il faut vraiment que ça explose? Attends, c'est vers ici. Ah non, à mon avis, c'est bel et bien fermé. Hein. Ah, c'est fermé tant que ça, le, si jamais ça n'explose pas. Ok, donc du coup, je peux rien faire par ici. On va récupérer ça. Hop, merci l'assiette. Il y en a un deuxième. Je l'entends. Ah non, c'est la lampe. C'est la lampe. Je vais commencer en allée normale, puis allumer, puis allée costard cravate. C'est une évolution qui me déplaît pas hein, en vrai. Ok, bon, du coup, on reste dehors. Attends, il y a un truc là. J'entends. Ah, c'est la pelle. À l'aide. 1250. Nice, ça c'est bien, ça. Ça nous stonks. On peut rentrer par ici. Alors, du coup, maintenant on est en intérieur. Ah, c'est vrai qu'on était ici. Et la porte est toujours fermée. Tu veux savoir c'est quoi le prochain jeu? Avec plaisir. J'ai envie de faire un petit teaser. N'exagère pas, Cole. N'exagère pas. Tout le monde a un point faible. Ouais. Ouais, pour le coup, je l'ai pas trouvé moi, celui-là. Déjà, on va essayer de compléter comme on le peut. Ok, salle de contrôle, ça on connaît. C'est pas... C'est rien, c'est rien. Y'en a d'autres? Tu ne vois rien du tout, frérot. Je te le dis, tu ne vois rien du tout. Plus haut que n'importe quel autre dessin que je t'ai fait. Ah oui, d'accord. Ah oui, c'est pas du petit teaser là. Tu te mets pas la pression, Aline. Hein, si tu dis des trucs comme ça, tu vas vraiment être obligé de.
de faire le maximum sur le dessin. Alors attends, faut que je récolte le résidu du tabouret. Du coup, de toute manière, j'avais déjà tout fait. Je peux juste faire la vanne comme ça. Eh oh. Eh oh. Je peux juste faire le kéké. Voir sans être vu. Ouais. Comment du confinement? Ah oui, je voulais voir ce que ça faisait le confinement du coup. Du coup, oui. En théorie, je peux savoir comment ça fonctionne. En théorie. Alors, attends. Je me rappelle parce que du coup, je l'ai déjà fait une fois. Ali Roi. Oh là 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 là. Oh là 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 là. La couronne me va si bien. Bonjour. Pardon, excusez-moi, je viens de canarder un peu partout. Je suis pas très très précis aujourd'hui, hein. Je suis petite forme. Je suis en petite forme. Alors le code est dans l'annexe du labo, ça je m'en rappelle. Donnez-moi vos conclusions ou les données. Je ne peux pas lire si vous parlez. Nous parlons et l'horloge tourne. Sur quelle horloge? Scientifique Wenji ressent quelque chose. La définition de la relativité est très large. Très bien. Mais combien de fois l'as-tu fait? Toi, Wenji. Quoi? Bouge. C'est un laboratoire. Bonjour. Bonjour. J'ai pris cher. J'ai pris cher. Oh, je suis tellement dans la sauce. Ouais, j'ai trop dans la sauce. Tu vas être au beau d'un dessin du fait de qualité. Oui, oui, genre pas une seule seconde. T'as le monde éclaté là. Attends, elle résiste à une balle dans la tête. Qu'est-ce que. Il y en a 12 des comme elle. Quoi? Mais c'est une vanne. C'est quoi qu'on entend là? Ce portrait, juste quand il sera en stream, plus demain, je vais acheter du nouveau matériel de dessin. Ah ouais. Qu'est-ce que? Ah oui, d'accord, il y en a pas qu'une là. Bon, attends, on va utiliser les meilleurs outils. Hein. De toute façon, on a plus besoin d'avoir peur d'être discret. Hein. Voilà, allez hop, moins une. Moins 2. Une diversion, non, non. Le vrai potentiel, c'est la réduction des mortels. Oh oh. C'est bon là? Purée. Non mais à l'aide. Attends, là cette fois-ci j'ai pas été discret du tout, hein. Eh ben ça se passe pas bien du tout, hein. Exposé à côté de Mona Lisa. Ah ouais. Ah ouais. Ah ça rigole pas. Au secours, hein. C'est compliqué là. C'est qui ça en bas? Allez hop, recharge moi ça. Merci. Ok, ça s'est pas bien passé. Bon. Ça s'est pas bien fini ça, hein. Voilà, merci. Cette fois-ci, c'est fini. Quoi? C'est compliqué, là. Alors...
Non mais qu'est-ce que je fais? Je connais des gens, tu vois. Ah ouais. Ah ouais, Lynn. Lynn a des connaissances dans le milieu. Allez hop. Voilà, merci. Bon, cette fois-ci, on a réussi. Du coup, il nous reste. Déjà, on va récupérer les breloques. En vrai, les breloques, elles passent super bien sur cette. Sur cette... Elles nous en donnent tellement. C'est full stonks. Attends, du coup, on va descendre. En bas, normalement, on devrait avoir le code qui est ici. 4676. 4676. Et du coup, normalement, avec les commandes, on va pouvoir aller taper le code 4676, 4676, 4676. 4676, 4676, 4676, 4676. 4676. C'est bon, maintenant elle résiste à 2 balles. Avant, elle me réduit 1 balle dans la tête. C'est terrible. 4676. 4676. Ouais, merci. Tac, boum. Allez, merci bien. Voilà, du coup, on a ouvert toutes les machines de dépressurisation. Du coup, en théorie, si jamais on appuie sur le machin. Bah du coup il y en a plus ici, ça sert pas à grand chose. Infusion dorée, sa souris préférée, blablabla, blablabla. Ça on a déjà lu. Tu as d'autres trucs pour le dessin après le roi, j'en sais rien du tout Lynn. Ah il faut faire quand tu le sens, hein. Je vais pas te donner de... Je vais pas te commander des choses à dessiner. Tac. Leurs yeux et leurs oreilles. Ouais. Disons, je pense que j'en ai éliminé pas mal là. J'en ai éliminé pas mal. Ça a plein de résidus à absorber, ça va nous permettre de bien stocker tout. Puis on sacrifiera des trucs, les breloques, on pourra toutes les sacrifier. C'est pas les munitions qui vont nous poser souci en vrai. Y'a pas le journaux, là, y a juste un truc à hacker. Ah mais on est revenu ici. Mais what? Ali Chevalier, ah ouais. Avec un vrai style ça. Ok, on est revenu ici. La clé de confinement. Ouais ouais c'est bon, je l'ai déjà obtenu. Ça je l'ai obtenu. Gros flingue, grands états d'âme. Tu le dis. Ok, donc du coup. On a juste un flingue et du soin. Elle est dans plusieurs multivers, hein, clairement. Clairement. Ah tiens, on a une autre. Bonjour. Non mais t'as vu combien de balles elle tente? Non mais attends, mais what? Mais y'en a combien? Mais vous êtes combien? Mais surtout combien de vie vous avez? C'est moi ou elles augmentent de vie tout le temps? Ça me rassure zéro ça. Hein. Mais regarde, elle tente toutes les balles dans la tête. Non mais à l'aide. Il y a un moment, j'y arriverai plus. Hein. Sans déconner. Hein. Elles ont 3 millions de PV. Mais oui, mais avant on les one-shotait dans la tête. C'est quoi ce délire? C'est n'importe quoi. C'est ridicule. Attends, je suis pas surhumain. Hein. Si jamais elle commence à avoir je sais pas combien de vie. On va galérer. Hein. Carnet, quart de l'anomalie, machin truc mûche, machin, machin, manivelle, machin, machin. Ça, c'est le truc pour rendre du courant. Il faudra l'apporter là. Il faudra trouver un moyen de rapporter le courant. Une invasion de Bungie, ça je te le fais pas dire. Du coup on l'a zigouillé elle.
On n'a pas encore pu tester le machin de confinement de ces morts là. Je sais toujours pas à quoi ça sert. Hein. Ah, peut-être que maintenant que j'ai ouvert le truc de confinement, c'est ouvert là-bas. Hein. Attends, je vais aller voir, je vais aller checker après. Je vais juste m'occuper de ces frérots là. Bon, au moins, eux ils meurent toujours d'une balle dans la tête. C'est rassurant. Tout le monde n'est pas devenu fou. Les zombies de level, ils étaient level 1, level 50. D'accord. Bah, c'est pas impossible en vrai, hein. T'as peut-être pas tort. Hein. Ça se pourrait, hein. Je vois que ça. Hein. Je vois que ça. On l'avait éliminé super rapidement la fois d'avant. Et là, on galère. Attends, du coup, je vais aller jeter un œil. Est-ce que ça aurait pas ouvert le machin là-bas? Étant donné qu'on a déconfiné le machin. Nanana. Oh, c'est toujours bloqué. Bon. Bon, bah, c'est toujours bloqué. La porte est toujours bloquée. Il n'y a pas un bouton, un truc de confinement d'urgence, je sais pas quoi. Il doit bien y avoir un truc, un moyen, un bouton à appuyer ou je sais pas quoi. Je sais pas, on trouvera bien. On trouvera. Je m'inquiète pas. Tiens, du résidium. Et hey, tu vois mon perso? Ouais, je vois. Merde. On se voit demain, qu'elle a dit. Toi aussi on te voit demain. Allez hop, merci pour la tourelle. Merci bien. Ah bah je l'ai one shot celle là-haut. Je l'ai allumé. Ok, bon. Hop. Tac, bam. Merci. Du coup, on n'est pas allé explorer dans la cabine encore. On est plutôt tranquille là en vrai maintenant pour les zigouiller. Hop, je prends le fils de pop quand même. J'ai lu. C'était là ça avant? Mieux vaut mourir en trouver des siens. Ah ouais, c'est une sortie, d'accord. D'accord, je me rappelle pas l'avoir déjà vu. Alors, du coup. Faut qu'on rentre par un coin, par un côté ou par un autre. Je sais plus c'est par quel côté qu'on rentre. Est-ce que tu veux être le garde royal de mon perso? Bah écoute, si tu veux. Hein. Pas ça le disjoncteur. C'est ça le disjoncteur, je pensais. Attends, on va rentrer par là. Ou pas. Pas par là. Forcément une fenêtre par laquelle on peut faire nos affaires. C'est forcément derrière celle-là, là. C'est en dessous, ici. Comment est-ce qu'on y rentre, déjà? Bah, c'est toi qui décide. Bah, écoute... J'en sais rien. De toute manière, je t'ai déjà autorisé... à me dessiner, hein, je veux dire. Après, tu me dessines comme tu veux, Lina. Moi, pas regardant. Laboratoire Serling. Ah, comment la porte elle est ouverte. Je peux descendre ici, récupérer du résidium. Tac. Inactif. Ok, bah, on a fait le tour. On peut aussi ouvrir celle-là. Voilà, il n'y a rien du tout à lire. Incertitude, je l'ai déjà lu. Machin truc, je l'ai déjà joué. Machin. Allez, on ressort. On ressort, j'ai dit. Ok, il ne veut pas ressortir. Ok, j'ai compris. On va passer par la porte normale. On fait le tour, on ressort. De toute façon, on a zigouillé la doc.
C'est Cinnamon avec des oreilles de chat. On est sorti du concept de chevalier. Alors, je suis un chevalier très moderne. Quitter la zone, on met les bouts. Hop. Eh ouais, je me suis fait égouiller par je sais plus quoi. Par un des doubles de l'autre meuf. Nom 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 nom. Nom 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 nom. Allez, partir rapidement, c'est trop facile. Bah, je confirme. On a récupéré oh là. J'approuve. On va pouvoir tout sacrifier. On va se régaler. Alors, du coup, équipement. Et du coup, au complexe, il y a l'autre frérot. Tac, tac, tac. Le double saut, je l'ai déjà. Le double saut, je l'ai déjà. J'ai une question sur ton avatar. Pourquoi avoir pris ce masque? De base, ça venait d'un personnage que j'aimais beaucoup. Qui vient d'un animé. Et puis après, l'idée du masque. En fait, de base, j'aimais bien le personnage. Et puis après, l'idée avec l'arrivée des VTubers et tout ça, je me suis dit, j'ai envie de faire un truc spécial et que les gens n'aient pas l'idée de me copier dans mon avatar. Parce que bon, t'as pas envie de te faire plagier hein, dans le milieu. Et du coup, je me suis dit, étant donné que le but de base d'un VTuber, c'est d'avoir quand même un visage expressif sur un stream qui ne l'est pas parce que tu mets pas ton visage, je me suis dit, quitte à autant retourner encore une fois la chose en mettant un truc non expressif. Ce qui élimine encore plus le principe de base d'un VTuber. Du coup, ça m'a fait très sourire. Quel animé? C'était l'antagoniste de Black Butler. Black Bullet qui est un très bon animé. Niam niam niam. Alors, du coup, Black Butler, c'est Sébastien. Infliger des dégâts, nanana. Alors là, ça, je l'ai déjà infusé en théorie. Ouais, j'ai déjà tout infusé niveau breloque. Des breloques de personnages que j'ai pas infusé. Vas-y, on go l'infuser. Coup d'infusion, ça coûte super cher. Les tours alliées à proximité deviennent de véritables machines à tuer. Les suppresseurs sont plus résistants. Le recul est grandement réduit lorsque vous maniez deux armes classe. La dispersion des tirs est grandement réduite lorsque vous tirez avec deux armes. Bah, ça, pour l'instant, j'en ai pas besoin. Par contre, ça, j'en veux bien. À la limite, j'en veux bien. Charger à bloc, monter sur ressort. Charger à bloc, je l'ai déjà. Du coup, je voulais voir. Déplacez-vous plus rapidement en crabe accroupi. Vous régénérez votre énergie plus rapidement. Générer plus de vie totale. On va mettre, du coup, celui de la tourelle que j'ai obtenu. Affinité mécanique. Voilà, là, c'est bon. C'était un de mes informations utiles. Je crois que c'est le bandeau d'un peu tous les gens qui regardaient Black Butler. J'ai pas encore trouvé d'amélioration. Non. Faut que je trouve des améliorations. Du coup, niveau résiduum, on est encore bien. Donc, du coup, en vrai, je peux encore infuser des trucs hein, si jamais j'en ai envie. Je sais pas, on verra bien. Tempête de grêle, c'est déjà amélioré. Ça s'est récupéré. Oh, allez hop, du coup, on garde notre résiduum, c'est pas un souci. Après, quoique, une fois le soir passé, on aura plus notre résiduum, donc autant infuser un max de trucs en fait. Hein. En théorie, attends, on va infuser un max de trucs, on va infuser tous les trucs qui valent les plus chers. Max de personnages. En monter sur ressort, j'en veux pas. Alors, flingueur. Allez, on infuse. En mieux au carré, on infuse. On a plus que 8000. Déplacez-vous plus vite. Plus fort et mortel. Votre réserve de santé augmente. Et hop, on va infuser des trucs random. Est-ce que j'ai assez? J'ai plus assez. C'est bon.
L'autre abandon dans Black Butler, devine c'est lequel? J'en sais rien du tout. Black Butler, ça date hein, quand je l'avais regardé. Alors, du coup, t'as le frérot avec son chien le soir. On va plutôt aller voir le Egor. On va aller voir notre Egor. On va voir ce que ça donne. On va voir ce qu'il nous veut, le frérot. Mais ouais, ça date, hein, mon visionnage de Black Butler. Ouh là 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 là. Undertaker, ah oui. Je vois. Ouais, je vois, je vois, je vois. Je vois, de loin, je vois. Je me rappelle plus très bien, mais je vois de loin à quoi ressemble le personnage. Bip bip bip. Tu commences à avoir tes chouchous. Non, je suis très doué. C'est combien de fois j'ai tué les visionnaires juste pour le fun? Si j'étais si malin, je me serais cassé d'ici depuis longtemps. Et pourtant, tu as choisi de rester plus de fois que je ne saurais dire. C'est différent. J'imagine que t'as raison. Je te souhaite une mort des plus atroces, Colt. Du fond du cœur, vraiment, je le pense. Pas si je te trouve le premier. Putain, mais what? Attends, on respawn pas au même endroit là. On est où là? Mec, aux cheveux blancs, ouais. Il tire sur des gens là ou je rêve? Mais attends, what? Mais qu'est-ce que... Attends, j'écoute. J'en sais rien. Ce scénario faisait pas partie de notre guide d'orientation. Ghost Ray Dogs, ouais, je connais. Putain, il y a le feu d'artifice. Quoi? Non, il y a personne. Bon, pas de quoi vous parlez. Je sais pas quel est ce traître dont vous parlez. Voilà. Voilà, peut-être un peu plus. Ouais, je sais peut-être un peu plus de qui vous parlez. Mais juste un peu. J'ai plus de vie. Je pense que si vous commencez bando. Oh, je me rappelle plus du nom des personnages de Bungo. Je crois que j'avais regardé le début, mais c'est tout, hein, Lynn. Je saurais pas te donner de nom de personnage, hein, ça date. Puis ma mémoire, c'est un vrai gruyère. On va essayer de passer discretos dans mon dos. Non mais... C'est une vanne. Bah oui, sérieux là quoi. Bah non. Ah bah non pour le coup, non. C'est moi. C'est moi. C'est pas vrai. Alors là, mon pote. Involontaire, mais de quoi est-ce qu'il parle? Ok. Au début, on parlait de dessin, maintenant on parle de ce bandeau. Ah, ok. Bah oui, hein. Écoute, hein. On se dans mon gusto, je sais plus à quoi il ressemble. Devrait s'inquiéter. Ah bah là je le confirme. Merde, le frérot il a mis des trucs partout là. Sont une relique de notre temps. Le reste d'expérience menée sur cette île longue
Non, pas trop. Pas trop, tu m'apprends ça un peu, frérot. Hein. Ça, c'est quitter ce bandeau. Oh là là. Ah, Subaru de Re-Zero. Hein. Subaru. Best boy. Hein. Petit Subaru, un petit Kirito là. Aïe aïe aïe. Hein. Les tourelles, c'est bon. Ah, j'ai en ami des mines. Ouais. Chelou hein le frérot hein. Il a craqué son froc lui hein. T'inquiète pas, je m'en vais te le calmer. Allez hop, je m'en vais te le calmer, t'inquiète pas. Ça peut être aussi dans des jeux vidéo. Oh, je sais pas, en vrai moi mes Husbandos c'est plus dans les animés tu vois. Y'a pas un personnage de jeu vidéo où je me dis waouh, best perso, trop cute. Enfin, dans un anime tu vois là je suis là pour ça à aimer les persos. Craquer son froc lui hein. Il a définitivement craqué son froc hein. Attends, je suis full gameplay, tu vois les éternalistes, j'arrive pas à les différencier les uns des autres, j'en ai rien à péter, je suis juste là pour les zigouiller. Alors dans un année tu vois, je suis là pour les persos. Attends, est-ce que du coup il a ouvert ici? Il a absolument pas ouvert ici. Mais alors où est-ce qu'il est le frérot? En plus ça il me parle, il est un peu relou hein. Ah, il va me recoser encore. Bah oui. Si tu dis. Si tu le dis, frérot. Oui, d'accord, ça lance une. Ça lance une. Une fléchette. Ah, oui, d'accord. Mais frérot. Mais wow, t'es où frérot? Il est où? Ah, je le vois là-haut. Mais attends, mais il se TP et tout. Il est ouf lui. Ah ouais, d'accord. T'inquiète, je vais pas te faire de mal, frérot. T'inquiète donc pas. Ah ouais, il faut, c'est plus compliqué. Là, du coup, je prends en compte les jeux. Ah bah non. Aïe. Vas-y, mais comment je le zigouille en fait? Bah, il fait mal en plus hein. Contre ses morts là. Non mais à l'aide. Bah, il a explosé. Aïe. Vas-y, frère. Non, ça va. Quel insecte. Pourquoi il me creuse, lui? Vas-y, monte ta tête, frérot. Monte ta tête. Monte ta petite tête. Faut aller au cac. Faut aller au corps à corps. Oh, c'était un mouvement. Vas-y, j'y vais. Putain, mais il se TP et tout, hein! Tiens! Voilà, merci! Ouais, ça va un moment! Oh, le pire relou du monde, hein! Tiens, liste, toi, il faut ce bandeau. Bah, écoute, pourquoi pas? L'éther, qu'est-ce que ça fait? La rapière.
Allez, donne-moi tout ça. Qui nous conduira maintenant? Ouais, bah t'inquiète. Ah, je suis invisible maintenant. Puissance basse. Ah oui, d'accord. Ah, c'est compliqué. Recharge. Ce serait cool. Bah écoute, avec plaisir. Avec plaisir, Lynn. On va essayer de garder la rapière là. C'est plutôt stylé en vrai. Hein. Mais bon. Aïe, j'avais pas vu. Ah, c'est fermé. Ah, c'est ouvert maintenant. Oh, nice. Alors, tes waifu étaient souvent en dos. Je sais pas s'il y en a un pour... S'il y en a un pour chaque, du coup. En fait, la tier list, ce serait un peu compliqué parce qu'en gros... N'exagère pas, Colt. Bah, le fait que... Enfin, il n'y a pas une tier list pour toutes les waifus. T'imagines le nombre de waifus qu'il y a dans le monde en entier. Genre, il faut des domaines précis, c'est ça que je veux dire. Genre, je sais pas, de niveau animation japonaise, déjà, on avait fait avec, avec le mat. Vous avez pris un temps assez monstrueux. Je crois qu'on l'a toujours, hein. Je sais pas, il faudra trouver la bonne tier list à faire. C'est toujours inactif. D'accord. Elle est où la Juliana? Ok, visu. Aïe. Ah ouais, elle fait mal, eh. Elle vise bien la con là. Ok, bon. Mais viens. Une canon. Aïe. Allez, GG généreux. Merci mon pote. Qui couve. Allez, viens là, je te mange. À 2h du mat avec des potes. KO. Oh non, mais c'est pas la meilleure ça. Placement indisponible, merde. Ah non, le chaos ça me plaît pas, j'aime pas ça. Tirer sur les ennemis pour les marquer maintenant plus de cachette possible. Ah ouais. Pas ça. Je peux les faire, je peux les spotter tout coup. Tu sais, sur les pattes, on débattait sérieusement sur les pattes, mais c'est un sujet à débat. Il n'y a pas de meilleur sujet pour débattre, hein, Lina. Les éclater. Bon, c'est toujours fermé ici. Tac. C'était un beau combat, mais elle faisait pas le poids avec ses grenades là. C'est quoi ces joueurs? Ils me font pas peur, hein. Allez hop. Allez, merci bien. Non, mais. J'ai essayé de m'envahir comme ça. J'ai failli me faire avoir. Je vais y faire doublement à voir. Qu'est-ce qu'il y a par ici? Ça c'est stylé ça. Ok, on est revenu ici. Est-ce qu'il y a d'autres trucs intéressants par ici? J'en sais rien du tout. En plus, c'était la soirée d'une fête, donc il y avait un de mes potes qui était à moitié bourré. Ah oui.
N'hésite pas à se bourrer la gueule chez Lynn. MDR. Attends, qu'est-ce qu'on a par ici? J'ai pas fini d'explorer moi. C'est forcément des nouveaux trucs hein. Les zones qui étaient inaccessibles avant qui doivent l'être, faut que je trouve. Allez hop. Faut juste trouver la bonne porte. Putain mais il en a mis partout hein. Au secours hein. On était en vocal Discord, d'accord. Aïe. Ça fait mal. Ah vache. Je sais pas ce qui a explosé devant moi mais... Ouille. Ça a éclaté l'alarme. Ouvre-moi, 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 je vais me soigner là. Je vais me soigner sinon je vais douiller. Ah bah je prends le résidium en même temps. Mais c'est vrai que maintenant les soirées peuvent aussi se faire en vocal Discord. Genre je l'oublie parfois. Je sais qu'il y a une batterie de soins là. Je commence à connaître un petit peu comment ça se passe sur la map. Est-ce qu'il y a toujours des... Il est toujours fermé le labo? Il est ouvert le labo ou pas du coup? Pourquoi il y a des bulles? Ah c'est suppresseur de champ. Ok. D'accord, je peux le désactiver à volonté. D'accord, on peut forcer les cornes. Ok, c'est bon, je me sens mieux là. Train local avec un de mes potes bourreaux, c'était quelque chose. Ah, je devine. Allez, éteins-moi ça. Merci, c'est un peu bruyant comme machin. Du coup ça a réapparu. D'accord, le résidu réapparaît. Bon, c'est bon à savoir. Ça. C'est bon à savoir. Tac, donne-moi ça. Allez, donne-moi ça. Voilà, là on cause. Y'a rien de nouveau. Pas de nouveau papier. Ah, du coup la porte est verrouillée du labo maintenant. D'accord. Pourquoi est-ce que c'est verrouillé? Qu'est-ce qu'il y avait par ici? Qu'est-ce qu'il y avait par ici qui était intéressant? Il y a forcément un truc qui était intéressant à trouver. Ils auraient pas mis tout ça ici si jamais il n'y avait pas eu un truc intéressant à trouver. Logique. Tier list, première tier list, pas de tier list, les marques de vêtements, chaussures et tout ça, troisième tier list des drapeaux, la tier list des drapeaux. Les drapeaux. D'accord, tout est verrouillé maintenant. Ok, du coup, comme j'ai zigouillé la scientifique, il n'y a plus rien du tout. Tout est fermé. Ok, je vois. Ok, ok. Donc voilà, une bonne chose de faite, on va pouvoir repartir. Je me sens parfaitement bien. On n'a pas eu de nouvelles infos du coup. Hein. Qu'est-ce qui nous manque comme savoir? Il y a forcément des trucs qui nous manquent. Il y a un truc que j'ai dû louper. Hein. Je sais pas, on verra bien. De toute façon, je continue juste de farmer les... Je savais même plus c'était pourquoi la tier list MDR. De toute façon, en théorie, le canon devrait revenir dans l'inventaire. En théorie. Il y a des balles. Ce piège. MDR. Ok, bon. Oh, on s'en est sorti. Pas grand chose à faire à cet endroit là, à ce moment là de la journée. Nuisible éliminé, bah ben ça, bien le croire. 0, 2, 2, 6. Voilà, c'est bon. Du coup, on en a pas éliminé beaucoup. Hein. Du coup, tu vois un peu, ouais, j'en ai déjà fait des tiers, ouais, je vois.
Après, le pote bourré, moins, mais... Le jour est presque levé, et maintenant, je boucle. Ça veut dire que je vais mourir là, c'est ça? Ou est-ce que c'est comme dans un rêve? Avec Juliana? Ouh, j'espère que... Qu'est-ce qui va se passer? Je crois que je suis jamais mort. Qu'est-ce qui va nous arriver? Ok. Ah, j'ai pas trouvé les données. J'ai pas trouvé les données. C'est ça que j'ai loupé. Ah oui, bien ça. Le rapier, j'aime bien. Vas-y, infuse-moi le canon aussi. Ça, j'aime bien. Allez hop, ça va me coûter tout ce que j'avais. Breloque d'armes, est-ce que j'en ai intéressant? Par contre, j'ai plus les points. Tiens, je peux supprimer. Attends. Ok, ça j'aime bien. Ça j'aime bien. Merci. Ok. Tac, voilà. Ok. Voilà, parfait. C'est bon. Nickel. Voilà, c'est parfait. Mais c'est vrai, quand quelqu'un disait pour défendre son avis, il avait besoin d'écouter calmement sans parler. Le module KO arrive le midi. Ok. Donc du coup le matin. Du coup faut que je change d'équipement pour pouvoir mettre le brouillard toxique, c'est pas ce qui m'intéresse. On va garder la batteuse, mais on va garder le fusil snipe. Le snipe il est pas mal en vrai. Le snipe, on va lui ajouter des trucs. On va lui ajouter la portée effective des armes. Le recul et le snipe. Ok. Voilà. Et la machette, on la garde évidemment. Ok, ça c'est tout bon. On garde les terres sur nous. La transposition, même chose. Et bah c'est tout bon. On est peut-être plus calme qu'encore. Ah, ça j'en doute pas une seconde. Ok, c'est parti. Me faire mal au pif. Alors du coup c'est laquelle le matin? J'en ai aucune idée, je me rappelle plus du tout. La tier list de drapeau. Qu'est-ce qui est arrivé en top? Qu'est-ce qui est arrivé en top de la tier list drapeau? Des bénéfices pour toute l'humanité. Personne ne bénéficie de rien sur cette île. Si tu as tort, si tu détruisais la plus grande découverte de l'histoire. L'histoire c'est surfait. Histoire surfait. Wow. C'était des trucs comme ça. C'était des trucs comme ça avant. Pourquoi ça les yeux et tout ça, mais il n'y avait pas ça avant. C'était pas là avant ça. Alors ça c'est glauque. Hein.
Il est en train de bonbonner sa tête. Il est en train de bonbonner son pote, lui. Je crois que les gens ils sont en train de craquer là dans la boucle. Arrête de danser, interdit. Mais c'est quoi ça? Non mais what the... Je me sens what... parfaitement bien. C'est quoi cet emblède? Ah, j'ai loupé des trucs hein. Purée. N'exagère pas, quoi. Grand sourire. Ah bonjour. Y'a quelqu'un? Non, y'a personne. Pourquoi le drapeau était comme ça? Ah oui. La mort n'existe pas, y'a que la boucle. Boucle. Encore? Ok, elle est là-bas. Où je trouve notre Juliana? Bonjour. Ok, je suis dans la sauce. C'est bon. Il était juste là. Oui, il était juste là. On faisait des recherches sérieuses. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh oh, c'est pas bon signe ça hein. Ah non, ça va. Ça va bouger. J'espère que le stream va pas crash. Oh. Merde, je crois qu'elle m'a trouvé hein. En tout cas. Ah bah voilà. Merde. Pardon. C'était mauvais objet. C'était pas voulu. C'est un appareil qui pourra en coupe avec qui. Ah oui, d'accord. Ah oui, ça apporte loin le tir de... C'est plutôt violent. Continuez à tirer. Dans une optique de massacre, ça marche plutôt bien. Ça marche bien, ça marche bien. Ça marche bien. Ah oh, pardon, je me suis loupé, je m'excuse. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Ok, c'est bordel. Enfin, un peu cette soirée Discord est allée, ouais, j'avoue. Ouais, je me suis bien fait une idée. Oh, bah non. Justement,
jeu de chasse MDR. Invasion, machin truc, Aéon. Bah, du coup, notre Juniana elle est partie. Ça va, 5h30 environ du matin. Ah oui, du coup, fatigue quoi. Aïe! J'aurais dû fermer ma bouche. Mais non. Merci. Alors maintenant la discrétion c'est perdu. Hein. Je crois que c'est fini la discrétion. J'ai abandonné la discrétion définitivement. Book. C'est vrai qu'il dira qu'on veut non, non, ça va en vrai. Mais c'est marrant. Il suffit de rester immobile. Parfaitement immobile. Alors non, frérot. Est-ce que tu vas tirer, merde? J'essaie de me défoncer là. Et ce gars va m'envoyer au paradis. Non, non. Du premier coup, pas possible. C'était dingue. On se revoit demain. Oh merde, alors. Alors non. Alors non. Oui. Non, alors. Ouais, j'ai l'air un peu con là pour le coup. Epic Pixel Battle MDR. Comment pas déjà? Merci quoi. Oh là là, comment je suis mort. Non, ça va. Allez, rends-moi ça. Epic Pixel Battle MDR. Voilà, là c'est bon. On a calmé le jeu. Voilà. J'aurais pas des choses à looter par ici du coup, vu qu'il y avait plein de mecs. Par hasard. C'est marée basse. Passe en dessous. Hein ? Ah oui, on était déjà passé par ici, je crois. On était déjà passé par ici. Si je dis pas de bêtises. Non. Je viens de taper un, je viens de péter un pétard, c'est une vanne. Comment j'ai fait pour pas me faire caler? À quel moment? Je pourrais bien aller avec mon pote bourré. Ah oui. Est-ce que tu l'as bien pris? Parce que bon. Ah là là, il a vu quelque chose et puis après il n'a plus rien vu du tout. Oh, j'ai le code. C'est le code de quoi ça? Oh. Oh. Le meilleur pour la fin. Moi j'ai quoi dans... C'est quoi mon inventaire? Attends. C'est quoi mon arme? Elle a quoi comme effet mon arme? Ok, attends. Il est où mon arsenal? Non. Mes armes. Je veux mes armes. Non, bah tant pis, je peux pas savoir. C'est quoi, attends? Enfin, elle est plus silencieuse comme dans les films. Oh, bah c'est pour ça qu'elle fait pas de bruit, ok. D'accord. Ça fait sens. Ouais, c'est un mec qui m'a friendzone sans faire exprès. Ah, t'avais déjà essayé de lui faire des appels du pied? Mais non. Mais qu'est-ce qu'il fait? Aujourd'hui,
Mais... Mais... Hein? 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 Quoi? Non, 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 je vais mourir! J'ai jamais le retrouvé mon résiduum. Ah si, il est là. Je la remets dans son espace. Construction de temps. Corridor mesuré de potentiel. Quel est mon plus grand regret? Les regrets n'arrivent que lorsqu'on échoue de ses erreurs. C'est une insulte à soi-même. Son futur est... Oh là là, il est compliqué, elle. Hein. Je crachais sur lui, sans faire exprès. Il m'a dit qu'on est potes alors que j'ai pas fait d'avance rien. Ah! Elle a craqué, elle. Hein. Le cri d'une mouette, une deuxième naissance. Ah oui. En renaissant, j'ai trouvé la clarté. Non, non, je suis pas là. Dans la clarté, j'ai trouvé mon but. Ah oui, non, mais elle a craqué son froc, elle. Hein. Qu'est-ce que c'était, Colt? Un mec. Bon, c'était... Non mais viens pas me coller comme ça, je... Distanciation. Aïe. Il faudrait qu'on respecte une distance de sécurité. Oh oh. C'est mauvaise idée. Tout sert de fusil à pompe de toute façon. Tu vas pas timide ! De toute façon, ils vont tous se mettre à tousser là. Hein. Ils vont tous tomber raides là en plus. Hein. Non ? Vous tombez pas raide. Ah merde, non, il y en a un là-haut. Attends, lancer. Lancer efficace. Là, on cause. Ok. Ok, je vois. Ok, je vois que je pourrais pas passer par là. Ok, 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 ok. On trouve un moyen de tout faire sauter là. J'étais contente qu'il soit à moitié bourré. Bon, comment ça t'étais contente qu'il soit bourré? Quoi? Comment ça? Attends. Aïe. Qui m'a encore tiré dessus là? Là-bas. Ouais, c'est bon maman. Ah oh, oh Lyonk. Bah Lyonk, ça s'est bien passé ça. Je suis vachement fier de ce que je viens de faire là-bas. Elle m'a ouvert la porte. Disparition ou mort? C'est tellement... Attends, attends, nouveau message. Ok, invitation au groupe temporaire. Blablabla. 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 Je crois que je suis mort définitivement. Oupsie. My bad.
Ouais, j'étais trop con. J'étais trop con, j'ai fait de la merde. Et pas bien. Pas bien, pas réussi. Trop de choses qui m'a zigouillé. Du coup, j'ai obtenu pas mal d'infos là. Bon, on va voir. Moi, il pas allé dire quoi, juste car on c'était avant la soirée du Discord. Ah oui. Henriette semble suivre le protocole à la lettre. Je n'ai qu'une seule chance de la voir. Son sermon du matin dans la baie de Karl. Franck le baratineur aime jouer avec des feux d'artifice. Ouais. Je dois bien pouvoir lui garantir un joli bûcher. Ah non, hein, pas comme moi. Ok, on recommence la baie de Karl. Un peu, ouais, je vois, je vois, je vois. Mais vache, ils sont des terres, tes potes, ils se bourrent déjà la gueule. N'ont pas perdu de temps. Je vais me chercher. Où est ma boisson? Où est mon. Attends, je vais aller me chercher mon bois-bois. Voilà, j'ai ma bouteille à glouglou. Coucou Tax, comment tu vas BG? Hop là. Allez, glougloutage en cours. On est bien Qu'est-ce que ça t'apporte tout ça? Pourquoi tu me parles? Bah écoute, ça va nickel. Je veux savoir ce qui se passe dans ce putain d'endroit. Oh non. Est-ce que tu veux savoir un Je cherche le moyen le plus rapide de quitter cet endroit. Te presse pas. T'adorais cette île avant. Ok. Déjà? Non mais. Oh là là. Il y a encore une nouvelle Juliana, mais sans déconner. Ok, bon. Je me sens parfaitement bien. Un coin sûr pour le moment. Ok. Faut que je m'occupe de la Juliana. Alors, où est-ce que t'es? Essaie de passer pour voir. Où est-ce qu'elle est? T'es où, Juliana? Wow! Qui? D'où? Elle est où? Ok. Ok, elle est dangereuse. Elle est très dangereuse, celle-là. Mais je l'ai même pas vue. Je l'ai même pas vue. Non, y'a rien, y'a rien. Mais elle est où? Mais. Mais attends, mais. Non mais gros, mais what? Mais elle est très forte!
Oh, elle est trop forte. Mais elle est trop forte. Mais what the fuck. Mais laisse-moi tranquille. Elle m'a éclaté la gueule. Bon bah là, là du coup j'ai compris ce que c'était qu'un bon joueur. Putain, cet être humain. Aïe 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 hein. Ouf. Je veux plus jamais le recroiser lui. Je meurs d'ennui chez moi. Bah il faut faire des trucs tax hein. Je joue à des jeux BG. Va sur des streams de qualité. Ou je me suis fait éclater par un autre joueur, vas-y. Ah, ça me dégoûte. Trop fort, frérot. Miam, miam, miam. Ah, super. C'est de la chance, pas du talent. Vas-y, je suis triste, qu'est-ce qui t'arrive? Chez moi, je m'ennuie. Mais pourquoi t'es triste? Moi aussi, je suis triste, je me suis fait éclater par un autre joueur qui m'a démonté. Même avec 3 vies, j'ai pas pu j'ai pas pu le doser. Ah, c'est un poil vexant, mais bon. J'ai peur qu'il y ait une nouvelle Juliana qui vienne me chercher, j'ai peur. J'espère qu'il y a une autre Juliana qui arrive. J'ai peur. Du coup, je me prépare. Bon, du coup, on va se préparer en attendant. On va se préparer en attendant. Parce qu'elle peut il y en a une autre qui peut envahir à tout instant. Je suis triste parce que. Ok. Très précis ça. Allez, roule, roule, roule. Merci Lynn. Je sais pas c'est dans quel sens que je dois tourner. Bah, écoute, j'espère que tu iras mieux, Tax, et que tu ne seras plus triste. Voilà. J'ai fait un rêve qui était plutôt chelou. Oula. Des rêves chelous. Aïe aïe aïe. Peuple de Black Reef, je m'appelle Alexis Dorsey et je tiens à vous accueillir personnellement dans le premier jour de cette éternité. L'heure tourne et les réjouissances de ce soir approchent. J'arrive pas à monter, j'arrive pas à monter, c'est gênant. C'est gênant. C'est très gênant. C'est bon, je me sens mieux. Il joue sa meilleure guitare là-haut. Il joue plus sa meilleure guitare là-haut. Merde. Ça c'était pas prévu. Non, quand tu te prends une balle dans la tête en général, c'est qu'il y a quelqu'un, mais. Bon moment, merci. Et quoi, ma prof va me rendre ma bouche et moi tout le monde me fait chier. H24, je suis en semaine de stage dans une école maternelle. J'ai une tête, frère, elle va exploser. Ah oui, d'accord. Ouais, la variable école maternelle, j'avoue que ça c'est dur. Courage BG. J'ai éliminé toutes les menaces comme ça quand la GN elle va popper, bah. On pourra l'allumer bien comme il faut. Je suis prêt à lui tirer dessus. Je suis prêt à lui mettre toutes les balles possibles et imaginables. Je me sens parfaitement bien. Ouais, j'avoue que les maternelles. Ouf. Mais vas-y, que ça crie. Si en plus de ça, comme tu dis, t'as pas de. Si en plus de ça, t'as pas de repos chez toi.
Je vais dormir, t'inquiète mon pote. Bonne nuit. Là, il fait un aéroglisseur le frérot. Ça a de la gueule hein, ce qu'il fait. Hein. Là, c'est juste un truc allumé. Pas random. Besoin. Une antenne, un machin truc. Raison que j'ai un peu d'autorité sur maternelle, c'est comme sur Linde. En plus, frère, je dois rattraper les cours. Ah ouais, en plus de ton stage, c'est abusé ça. Parce que je faisais quand je me suis réveillé dans le stress, ce qui s'est passé dans le stress, c'est passé dans la réalité. Oh, j'ai déjà eu ça. En vrai, no joke, Linde, j'ai la même chose. Genre, j'avais rêvé d'une journée et la journée elle s'est passée comme. Aïe. Comme je l'avais rêvé. Je suis d'accord, c'est ça, ça existe. Non mais. Elle est tombée ou pas? C'est gênant. C'est gênant. C'est très gênant. En vrai, no joke, les rêves prémonitoires, ça existe. Hein. J'ai perdu une vie pour cette meuf, vraiment, ça dégoûte un peu. Hein. Mais bon. En train de sortir en un clin d'œil et devient une machine à tuer à courte portée. C'est vrai? Non, ça va. Ça se recharge super vite, hein. Oh ok, je la garde celle-là. Et non. Il faut payer les 10 000 points pour avoir son poème personnalisé. De toute beauté. Pour un amour propre restauré. Une joie indicible de recevoir quelqu'un qui vous complimente. Ça fait cher le compliment quand même. Je fais cher mes tarifs. Hein. Attends, là il y a Taxi en train de rédiger un truc. Faut pas l'interrompre, Lynn. Trésor sous la glace. Qu'est-ce qu'il y a par ici? Y'a rien à faire avec ce bestiau là. Il est fat hein, lui hein. Purée. Je me lève en pleine nuit, je vais aux toilettes, je fais ma petite air et là. Un flash, je vois que je suis dans ma chambre avec ma mère qui me regarde et moi en train de m'épuiser sur un pièce de bureau à 200 balles. Ça c'est énervant. Attends quoi? Attends, quoi? T'es en train de dire que t'as cru que t'étais allé aux toilettes, mais en fait... Attends, quoi? c'est pas possible. Les OMG. Mais... Je viens de faire. Bonjour. Non, alors en théorie, non. Là, par contre, je suis dans la sauce. Hein. Je suis pas bien là. J'aurais besoin d'un peu de vie. Hein. Si je pouvais me trouver un peu de vie, ce serait pas du luxe en vrai. C'était un rêve. Ah! Si seulement il nous laisse. Il a passé 50 balles, c'est vrai. C'est vrai. Eh bah, pas très gentil pour les sceptiques. Pour à peine, je récupère ça. Hop. On a bien du soin. Non! C'est personne. J'ai failli me prendre un feu d'artifice dans la tronche. Hein. OMG. Ouais, comme si c'était la réalité, donc moi je voyais mon rêve et mon corps agissait comme je le voyais. Ah oui, d'accord. Oh. Ah ouais. C'est chaud hein. J'étais pas d'humeur à méditer. Vous avez vu ça? Vous l'avez vu? Hop.
Moi par contre je t'ai vu. Ton numéro porte-bonheur. À mon avis, il y a moyen de monter là. Alors, du coup, est-ce qu'on a quelque chose d'autre par ici? Qu'est-ce que tu fais là, toi? Qu'est-ce que tu lances? Hop, tu lanceras plus rien. Salut. A plus. Du coup, il y avait bel et bien moyen de monter là-haut. Ok, d'accord, bon, c'était juste une solution pour monter là-haut. Est-ce qu'on aurait pas une... Oh, vas-y, laisse-moi remonter. Ou je vais devenir une menace. Ok, non, c'est bon. Il va y avoir une Juliana qui va arriver, hurler. C'est juste au moment où j'en ai fini. Alors, est-ce qu'on aurait pas une entrée par ici? Bonjour, je voudrais une entrée. Est-ce que vous auriez ça? J'ai pas l'impression. Alors qu'à côté... invisible, je n'existe pas. Oh, putain de perte de temps. Bouc. Merde. Pardon, excusez-moi. Je vois dans l'espace autour de moi. Oh, j'avoue que c'est chaud. Explique-moi, c'est relié avec mes actions. Ouais. Attends que tu fais pas de dinguerie et que le lendemain tu te réveilles pas avec des menottes aux mains, quoi. Ça va, quoi. Mais j'avoue que c'est plutôt stylé. Hein. Hop, merci pour le heal. Il y a un truc à analyser. Ça va, tant que ton somnambule fait des trucs illégaux, ça va quoi. Du coup, on va pouvoir passer par la porte là-bas, en théorie. Évite de faire du bruit, t'inquiète. Pile à l'heure pour le spectacle. Je me suis réveillé au moment où je me faisais engueuler. Le chemin s'entremêle vers le grand au-delà. Le premier se révèle dans les jours de chaos. Le second dans les jours de paix. Et jour après jour, ça s'interrompt. Un jour de carnage et d'anarchie. Et un jour de méditation. Les gars, ils font quoi avec leurs mains? Ils font quoi avec leurs mains? What? Ok.
rappelle. C'était quoi ça? NDR, il l'a trempé dans son truc. Il l'a trempé dans le truc vert là, ça a zigué le frérot. Ok. Ok. Bonjour. Ok, bon, c'était peut-être pas voulu comme ça. Ouais, mais je t'ai eu. Si tu savais combien de fois. Oh non, manquait plus qu'elle. Sans la douille. Ah, elle est tombée là. Attends, je prends tout. Nuage de gaz toxique, ouais non ça me plaît pas ça. Et il faut que j'aille m'occuper d'une... Faut que j'aille m'occuper de la Juliana, elle doit être dans le coin. Je sais même pas comment ça se gameplay là. Je devrais essayer de le faire une fois pour comprendre comment ça fonctionne. Ça doit être un bot là. Elle est super forte. Hein. Vous avez vu le nombre de balles qu'il m'a fallu, au secours. Hein. C'est quoi Carnesis? Un appareil jusqu'à la mort, je pourrais tenter avec ma chance avec Juliana. D'accord. Envoyer voler les ennemis. Trop bien. On se recharge en un clin d'œil. Vous devez une machine à tuer. Ouais, ça c'est ce que j'avais. Mais attends, mais c'est trop bien Nexus. Je peux envoyer voler les ennemis. Je vais essayer ça absolument. Bon, attendez, je vous dis, excusez-moi. Je faisais des rêves où je contrôlais mes rêves. Chacun de ces rêves avait un portail pour se réveiller, mais c'est trop cool. Des fois, des portails ne marchaient pas, du coup, mon corps ne pouvait pas bouger. C'est de me faire sortir. Il fallait contact, etc. Et frère, c'était flippant. Ouais, ça, j'avoue que c'était assez creepy. Mais par contre, le fait de pouvoir se réveiller quand tu le veux, c'est stylé ça. 4 paralysis, c'est la quatrième qui m'a marqué le plus. Plusieurs fois le même rêve. À une époque, je faisais beaucoup de fois les mêmes rêves. Je faisais beaucoup de fois les mêmes rêves, mais maintenant, plus maintenant. Ouais. Le dernier rêve que j'ai fait en date, c'était pendant que j'étais covidé. Pendant que j'étais covidé, ça devait être il y a un mois, un truc comme ça.
Et j'ai fait un rêve très bizarre, c'est-à-dire que j'ai alterné le réveil et l'endormissement, parce que tu sais, quand t'es malade, genre t'es pas bien du tout, tu vois, enfin moi j'étais vraiment pas bien pour le coup, j'avais vraiment de la fatigue, et en gros j'ai alterné rêve éveillé et rêve endormi, et du coup j'ai vraiment j'ai rêvé un an de vie, genre j'ai vraiment vécu un an dans mon rêve. J'ai du mal à l'expliquer parce que je me rappelle plus très bien, comme c'est un rêve, je l'ai oublié très vite. Mais du coup, ouais, j'ai vécu un an dans la peau d'une sorte de chef de pays, un truc bizarre, et j'ai vraiment aidé mon pays pendant un an entier. Et je me suis réveillé et j'étais mort, j'étais super fatigué. Vraiment, mon cerveau a vécu un an de vie et j'étais crevé. C'était terrible. Très instructif, mais terrible. Ah, je te jure, j'ai vraiment vécu 365 jours. Ça, je m'en rappelle très bien. J'ai le souvenir. C'est une blague. Non, mais c'est sérieux. Ouais, c'était vraiment un rêve très étrange. Je me rappelle que je l'avais vraiment. On avait vraiment fait très très bizarre pour le coup. Et le gaz descend. Je vais redescendre le gaz, là, c'est bon. 25 fois, je me fais tuer par un clown. Oh, les clowns, à l'aide. Sans parler, je me réveille, je me sentais comme si j'étais sur mon lit, mais j'étais sur des vagues et je flottais sur l'eau. Ah ouais. J'avais fait des rêves vicieux. Ah, mais nous, nos cerveaux, les gars, on est pas aidés, nous. Hein. On vit des trucs trop bizarres. Hein. MDR. Faut absolument. Comment est-ce que je pourrais faire péter ça? Comme ça. C'est une bonne réponse. Comment est-ce que je pourrais faire pour détruire la source principale en fait? Parce que là je l'arrête un petit peu mais ça s'arrête pas. Hein. Comment faire? Chaque fois que dans mon rêve je mourais, ça me faisait une douleur que j'étais vraiment. Cette douleur était pas légale. Ah! À l'enfer! À l'horreur! C'est horrible! J'avais trouvé un moyen de drainer le gaz, comment est-ce que j'avais fait ça? Comment est-ce que j'ai fait? Comment j'ai drainé le gaz? Attends, laisse-moi réfléchir. Le distributeur de gaz... Ouais, ça c'est des boutons, ça c'est la meuf qui chante, c'est là où il y avait la meuf. Je reste en haut. Peut-être un autre bouton. Peut-être un autre bouton, une connerie comme ça. Aucune idée. Aucune idée, mais il me faudra un truc pour gérer le gaz, quoi. Comment faire? Comment couper l'alimentation en gaz? À mon avis, il y a peut-être pas intéressant d'aller dedans en fait, je pense. Surtout une fois, je m'en souviens. La douleur me réveillait pas. Oh non. Et je vois une forme d'un clown, un mec au bout de mon lit qui me fiche. Je vois que le clown s'approche, je ferme, puis après je me réveille en soi. Il était 2h33 environ. Ah ouais, non mais. Ça, c'est vrai que tous les gens qui ont une paralysie du sommeil, ils sont toujours là à dire qu'il y a une bestiole devant leur. Devant eux, au bout du lit. Genre, c'est chaud parce que tout le monde voit la même chose, tu vois. C'est ça qui est trop bizarre. Tout le monde voit exactement la même chose. Attends, il faut que j'aille désactiver le machin. Du coup, j'ai obtenu le carnésis de l'autre.
Voilà. Déverrouille ça. Enfoncé sur des piquets des vis, et j'insulte ces cartes les uns de l'autre, donc mon corps a été déchiré. Ah, c'est horrible. Et comment est-ce que ton cerveau peut imaginer une lueur pareille? Genre, c'est ultra chaud. C'est ultra bizarre. Alors, récolter du résidium. Voilà, merci bien. Yeah. Qui c'est qu'on cherche déjà? MDR, je vais te rappeler qui c'est que je suis. Non mais... Dégage. Tout va bien. Tout va pas bien. Ok. Qu'est-ce qu'on a ici? Spiker. Où est-ce qu'on nous a... Pourquoi est-ce qu'on m'a empêché de venir ici? Qu'est-ce qu'il y a de caché par ici? C'est si intéressant. Qui c'est, frérot? Qui c'est? Génial, je commence la boucle avec le dos en compote. Avec le dos en compote. Ah, mais c'est si chaud, hein, l'endroit là. Je regarderai Gunner Party avant, c'est peut-être ça. Ah ouais. T'es sur l'eau et tout, je flottais. Ouais, ouais. Là, c'est bien, mais tu es vraiment mon rêve bref. Ça m'a vraiment rappelé de mes rêves, des rêves que j'ai kiffé. En vrai. Ah merde. Qu'est-ce que... Non mais c'est rien, t'inquiète frérot. Enfin, maintenant, c'est plus rien pour toi. Faut qu'on rentre dans le truc de l'œil. Bonjour. T'as perdu. Bienvenue au Yerva. Moi aussi je veux m'amuser. Cet enfoiré par les flancs. Qu'est-ce que... Rien ni personne on a. Ouais, elle a dit on va prendre cette enflure par les flancs. Je l'attends toujours hein. Je l'attends toujours mais c'est pas grave. Donne-le moi Charlie. On va bien aimer me planquer quelque part. Voilà, là on cause. Ah, ça donne légère ce parquet par contre. Ficheuse. Tricheuse. T'as pas le droit de savoir où je suis. Alors ça c'était vilain ça. C'est bon, vous avez fini là? Peine relou là hein. Tiens, regarde. T'apprendras à me traiter de traître. Ah bah ça voulait me lancer aussi une dans la tronche hein. Non mais n'importe quoi. On a franchement aucun savoir-vivre. Non, moi je suis une ducelle contre des gars surpuissants et moi je les latte un peu comme actuellement quoi. Je suis en train de tous les éclater les uns après les autres avec une petite arme à la con.
Bah non, frérot. Viens là. Il a juste eu le temps de faire. C'est ridicule. Parfois, ça m'arrive de me réveiller avec des marques. What the fuck. J'avais des attaques de feu noir, de dragon d'eau. Je vis ma meilleure vie, je peux comprendre. Bon, attends, il y a la reine des énigmes qui veut me parler. Oh, c'est de la merde. Les falaises et les canyons. Le tag ivra jamais. Là, on a décidé en fry. Attends, quoi? Trois. Ouais. Allez, c'est marrant, c'est la gardienne de la porte, et de la criche, c'est la porte. Un dieu de plaisir. Merde. Oh, c'est hyper dur. Hein. Ta da da tan 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 ta 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 ta. Plantez vos orteils dans la terre noire et laissez les vibrations de ça va courir le long de vos de cette tire. C'est horrible. Putain, avec un cadavre avec des ongles de choc, mais MDR. J'ai déjà c'est un mort des gens, oulala. Yes. Nanananana. Merde, c'est dur hein. Oh, cette île comme des joyeux kaléidoscopiques. Cherche le programme. Nanananana. C'est ça, yes. Oh, je suis trop... C'est horrible. Bien diverti par mon chat, j'ai pas compris. What the fuck. Alors ça, c'est très glauque. Je vais dodo, bonne nuit, Tax. Si je fais deux ou trois fois, je me rappelle plus de ma... Plus trop, pas trop, sauf les plus marquants. Putain, c'est gelé, qui est le pied sur les vins, ça, ça, la torpeur. Putain, je fais que la moitié. Nananana. Ah, j'ai perdu du coup. Ah oui, d'accord. Je suis bon acheté au chien. Ok, j'ai compris. Sympa, c'est cool. Donc si j'ai pas tout bon, je suis j'ai pas d'autres mots. Hein. Je suis fou de baiser. Hein. Bon alors frérot. J'arrive à 3 mois mais dans ma mémoire, ah ouais. Merci mon pote.
D'accord, là-bas il y a une, un suppresseur de champ qui a été allumé. Un truc qui m'a surpris. Quoi donc? Ah, j'arrive pas à monter. Et c'est bon. Qui m'a vu? Qui m'a vu? Exactement. Je ne crée rien de stable. Les modifications que j'ai apportées au générateur vont déstabiliser la boucle même. Tes barges. Oh là là. Laisse-moi finir. Ouais, il y aura des trucs qui passeront au travers, mais c'est pour ça qu'on a des flingues. On tue tout ce qui a l'air d'être passé à travers la brèche. On utilise le récolteur portable pour capturer leur énergie tirée de l'anomalie et on la ramène à cette machine pour le traitement. Oh là. Transférer l'énergie. Ok. Ça qui est bon, la mémoire était bien rangée. Ouais. L'anomalie la plus puissante. Scientifique, putain de hockey. Je refuse de... Car toi, ton baratin éthique ailleurs, Suzanne. N'importe quel sacrifice est acceptable pour une avancée de ce genre. Putain. Mais t'enregistres ça. Chelou, hein. Je sais pas ce qu'elle est leur machine de ces morts là, mais... Ça n'a pas dû bien se passer parce que là il y a tout qui a été destroy. Hein. Chelou. Hop, merci pour la breloque, mon pote. Attends, on va passer par les yeux. Un avion pris au piège dans la glace. Là-bas, ce truc-là là. Ah, moyen d'aller looter. Je vois. Bon, la reine des fables, on a loupé. Parce que j'ai été nul. C'est le premier truc qui m'a surpris. Ouais. Merde. J'avais pas vu que... Pardon. Désolé, ça ne se reproduira pas. Je vous ai loupé la première fois. Pardon, même chose. Je pensais pas que vous étiez ici. Mon erreur. Invitation bâclée. D'accord, on se retrouve ici. Ok, je vois. Bon, du coup, je crois qu'on est bon. On est bon ici, c'est pas intéressant. Ok, c'est bon. Parfait, ça. Bon, de toute façon, je peux pas l'ouvrir, votre truc. Il y a la peine d'offrir des cadeaux, mais... Allez hop. Allez hop, bien joué. Tac. Assez de tes conneries toxiques, on finisse que l'avion a commencé. Allez, c'est parti. Ah. Tac, tac. Voilà. Vous êtes un visionnaire et pris la fuite par les tunnels, exactement. Bon ça, j'ai l'impression que ma voix va un peu mieux.
Ok, on est bon. On a récolté le carnésis, ça c'est cool. On a récolté un nouveau bonus, ça c'est nice aussi. Alors attends, il faut qu'on aille valider le carnésis parce que j'aime bien ça. Infuser. Infuse-moi ça, on module le carnésis, on l'infuse direct. Donc, du coup, je voulais voir c'est dans quel de modules qu'on peut mettre un bonus. Je crois pas que je l'ai l'amélioration du coup de module. C'est pas ouf, dommage. Ah si, voilà, amélioration de module. Tue un ennemi, ne laisse pas de traces. Pas mal ça. Je vais l'infuser. C'est un bonus. On va pas cracher sur un bonus. Merci de m'infuser ça. Merci bien. Tac, qu'est-ce qu'on a de nouveau? Les marqueurs. Bon, je veux le sacrifier, ça j'en ai pas besoin de toute façon. Ça aussi. Voilà. Pourquoi les armes elles ont plus rien dessus? Attends, breloque. Pleure la mort, précision grandement améliorée. Sanction spirituelle. Ok, j'aime bien ça. Vitesse de rechargement aussi, merci bien. Voilà. Ici, toi mon pote, on va te mettre. Merci. Ah, 14 de tir, on s'en fout en fait. Tac. Ok. Et enfin, on va mettre portée effective. Voilà, c'est bon. Ok. Là, on est bon. Infuser équipement. Du coup, il faut qu'on supprime des breloques. Et tir au jugé en une dispersion réduite. Non, ça, j'aime pas. C'est encore plus rapidement comme un viseur. Non, ça, on s'en fout. Réduit le recul, ça, j'aime bien. Car dans le tir, j'aime bien. Équiper et changer d'arme encore plus rapidement, ça, j'aime bien. On va garder. Sanction spirituelle, ça on s'en fout. Voilà. Et là du coup on va pouvoir infuser un nouveau truc. Lequel j'infuse? Celui-là. Tac. Voilà, c'est cadeau. Nickel ça. Et du coup la baie elle est inutile. Tiens, le Strelag Verso. Module Carnesis. Le module Chaos de Fia. Une fois j'ai eu un rêve très... Attends. J'étais dans ma mémoire, mais dans un rêve et en même temps je pouvais contrôler. Ouais, un rêve contrôlable, je vois de quoi tu parles. Je me rappelle que très peu de mes rêves, mais bon, une fois j'ai eu un rêve prémonitoire. Et j'ai quoi rêver de ma journée suivante entièrement, c'était très bizarre. Ça m'est arrivé qu'une seule fois. Bon, du coup, c'est bon, j'ai fini de m'équiper mes items. Je pense qu'on va s'arrêter là. 23h30. On est bien. Tac, scène de base. Let's go. Et bah, écoute, Lynn, je pense que tu me raconteras ton rêve prémonitoire la prochaine fois. Je vais aller me reposer. C'était une bonne session. Ça y est bien sorti au cas où on récupère de plus en plus d'infos.
Ce grand grand-père est mort, il est mort les jours d'après. Ah, c'est chaud ça. Hein. Ah, c'est horrible. Ah, c'était à plus petite échelle, mais. Je me rappelle, j'avais un animal de compagnie, une sorte de souris. On va réduire ça au nom de souris, on va dire que c'était une souris. Et la souris, je l'avais prise dans mes mains. Je l'avais prise dans mes mains et tout ça, parce que j'aimais bien jouer avec, et je l'avais emmenée dans ma chambre. Et je l'ai regardée, et elle se déplaçait pas bien, et je me suis dit, tu passeras pas l'hiver, mon pauvre. Le lendemain, la bestiole, elle était raide morte. J'étais pas bien. Je t'avoue, j'étais pas bien. Est-ce que tu vas stream demain? Ouais, je vais stream demain. Mais des fois, on a des prémonitions, tu vois. On le voit, on le sent. C'est trop bizarre. Bon, allez. Repose-toi bien, Lynn. Bonne nuit à toi. Et à demain.